pas mis mon alarme. Désactiver mes alarmes du matin. D'accord, c'était donc la dernière pièce. J'espère qu'on est obligé de faire ça parce que c'était chiant quand même. T'es comme ça lui tout à l'heure. J'ai appuyé mais pas si vite. Je crois que c'était tout droit. C'est qui Ramon? Il y a de plus en plus de gens qu'on ne connaît pas, dis donc. Ramon. Ça devait être fermé, on a dû débloquer le machin, je suppose. Leon! Ashley! You did good. I'm sorry if I was... Oh, don't worry about it. Come on, let's move on. Fini. Du coup, ça y est, on arrive au chapitre 4.
terre est tellement grand, putain. Ah, what a touching moment we have here. All spoiled thanks to your interruption. Why don't you do us all a favor and leave before the audience gets pissed off? You're nothing but an extra in my script, so don't get too carried away. Your biggest scene is over. I don't ever remember being a part of your crappy script. Well then, why don't you show me what a first-class script is like through your own actions? Mm-hmm. Bon. C'est bien, elle a repris sa vie. C'est ça, faut revenir en arrière et mettre les ce qu'on a obtenu. Mais on peut aller tout droit apparemment. Wait here.
D'accord. On est obligé de venir ici. C'est vrai que j'ai plus l'impression de jouer à Uncharted, d'accord, plutôt que Resident Evil. Et hop, on va retourner à la salle principale. On va péter ces trucs. Ok. Du coup. Bah c'est là. C'est ça, ouais. On doit tout avoir, non? Si on doit la voir, c'est bon, on a tout du Vanuatu. Ok, bon, on sauvegarde, on sait jamais. Mais du coup, ça nous met nous ça. D'accord, ouais. C'est bien. Ça veut dire qu'on va bientôt changer d'endroit, je pense. J'avoue que je suis pas fan de cet endroit. Malheureusement. C'est assez spécial quand même. C'est pas moche, mais c'est vrai que... Je sais pas, ça fait bizarre en fait. C'est assez étrange. Se retrouver dans un village, on arrive dans un château, il y a de la lave, machin. Ah, Donald Trump était déjà là apparemment. La porte d'où on vient. Et ça. Ah, le marchand. Je suppose que c'est encore un truc de tir. Je dirais que ouais. Faut choper le sample. What are you buying? Et on va augmenter le magnum. Is that all? Thank you. Not enough cash, stranger. Ouais, on va augmenter le magnum. What are you selling? Thank you. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. What are you buying? Is
Thank you. Is that all, stranger? Thank you. Voilà. Come back anytime. Il y a beaucoup de points de sauvegarde tout d'un coup. Bon, du coup, c'était pas là qu'il fallait aller, je pense. C'est quoi ça? C'était peut-être là où il fallait aller, merde. Ah non, c'est pas là où il faut aller, ok. Donc c'est bon. Je sais pas pourquoi. Ah, ça sent pas très très bon. Attendez, on vient d'où? On vient de là. Ok. Ça aussi c'est fermé. D'accord, donc il va falloir pousser les statues, j'imagine. Ok, on va en mettre une à droite. On va mettre une là-bas. Voilà. Toi, tu vas aller là. Wait. Et nous, voilà. Follow me. Think you've lived long enough. Let's see if you can survive this time. Que se passe-t-il? J'aime pas trop les pièces comme ça, putain. Merde. Faut les voir. Pas faux. Pas faux. Elle est intelligente, cette petite Ashley. Mais encore. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Faut les tuer? La musique qui s'arrête mais d'un coup d'un seul, c'est un petit peu chelou. À mon avis, on va le tuer. Hein. Je pense qu'on va tuer Saint-Lazare. On chope quand même pas mal de trucs dans cette pièce, donc... Zoom. Est-ce
On peut les tuer avec ça quand même. Arrête de bouger. Le dia spam. Pas besoin de bouclier. On va reprendre notre arme. Follow me. La visée, vu que c'est un petit peu en diagonale en fait, c'est pas facile de viser. D'accord, donc il te faut le calice. Pour le moment, les énigmes sont pas très difficiles, dis donc. Pas du tout, même. Mais putain d'enculé de serpent! Sa poule et a pondu un œuf lui aussi. Voilà. On peut le tuer dès maintenant ou... Je sais pas. J'ai aucune idée de ce que c'est que ce machin, mais ça ne me dit rien qui vaille. Donc il faut y aller. Ah, j'ai mal au crâne. C'est Sam Fisher. Sam Fisher en colère. Du coup, faut faire un truc avec ça. Oula. C'est des trucs, hein. Est-ce qu'on...
qu'on peut mettre ça avec ça, avec ça? Non. Ça. Avec ça, oui. Non. Non plus. Ok. Là, on peut pas y aller pour le moment. Ah, faut péter les chaînes. Non. Oh là là. Ces énigmes de fou. Sale, stranger. Come back anytime. Scratch or I'll break your bones. First, we shall see if you can make it this far. I'll be waiting. Ça sent le boss. Shit. Shit. Oh. Une herbe rouge. Machine à écrire ici aussi. Oh mon dieu. Bienvenue au royaume des pixels. Oui, attendez. Attendez. C'est une porte? Aller par là. Ça c'est pas des portes. Et à gauche, y a rien. Y a rien. Ok. Ah. Non, non, pas lui. Pas lui. Merde. N'aurait pas dû avancer. Vous nous avez pas repéré, dis donc. Non, on va utiliser... Bah si. Spray. Ça doit être notre deuxième spray du jeu, con.
Allons nous faire sonner à cloche. Ah mais on est au même endroit. Non Arthur. Sans deck. Sans deck. Attendez. On peut détruire la porte comme ça, c'est énorme. Pour l'époque, c'est énorme. Ah merde, on aurait pu utiliser ouais, les cloches pour l'attirer. Ah, ça c'est bien ça. Le coup de la porte, j'avoue que ça c'est bien. Ah. Non plus. Non plus. Attendez. D'accord. Effectivement, vu comme ça, hein, j'avoue que... Ashley. Leon. Mr. Kennedy. Don't you know when it's time to throw in the towel? No! Leon! Batman. Where's the satisfying sound of one's impalement? Won't fall for this old trick. Right hand comes off? Say whatever you please. Die, you worm! Envoyer sa main droite. C'est bizarre pourquoi il y a des zombies qui sont morts ici. Ils étaient infidèles peut-être? Pourquoi j'ai mon alarme qui sonne alors que j'avais éteinte? Bizarre. On a une couronne, putain mais le nombre d'objets dans lesquels on peut mettre des pierres. T'es encore là toi? What are you buying? Qu'est-ce que tu nous vends de nouveau? C'est un shotgun? Ah non. Ouais, c'est pour tirer plus vite et avec plus de spread. Niveau des tirs. Ouais, mais. Sert plus à grand chose, hein, franchement. Je sais pas si on en aura besoin. Quoi.
Ouais, non, on s'en fout. C'est chiant, j'aurais bien aimé jouer aussi un petit peu à The Division avant que le jeu disparaisse du Game Pass. Il n'est pas resté très longtemps quand même, je pense qu'il est resté genre 3 mois, 2 mois. Peut-être une fois qu'on aura fini Resident Evil 4 un petit peu, je sais pas. Du coup, je me demande si j'ai pas le jeu en fait sur Xbox. Je sais plus. À cause du Game Pass, parfois on sait même plus quel jeu on a. Si c'est un jeu qu'on a grâce au Game Pass ou si c'est un jeu qu'on a grâce à nous en fait. Oh non. On va se taper des cavernes maintenant. Ok. C'est là, je crois que c'est là, non? Il y a un mob. Attendez, on va pas se paumer. Non, c'est par là, c'est par là. C'est par là. Ok, donc à mon avis, il va y avoir un boss. Ça sera pour. Le tuer. On va faire péter les bonbonnes. Hein? C'est quoi, on peut pas le tuer? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le mec qui l'a envoyé nous tuer. Mais what? Attends 3 minutes, ok. C'est ça, ouais. C'est son ami. Attends, il est invincible ou quoi? C'est pas là? Merde, c'est pas là. Une bonbonne là. Allez, là. D'accord, il a l'air d'être résistant. Hein. Yeah.
de venir ici. J'espère que vous. Oh putain! Droit de Saint-Lazare. J'aime bien l'appeler Saint-Lazare. J'aime tellement bien l'appeler Saint-Lazare que du coup, je sais même plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Saint-Lazare. Ou Lazare. Saint-Lazare, je sais plus. J'ai oublié. Ah oui, on va utiliser un spray, tiens. Hop, on va combiner ça. Voilà. Peut-être qu'on se rapproche de la fin. It seems that Salazar is having difficulty taming the American pig. Salazar had his chance. Krauser, go get a girl. Oh, and dispose of this swine while you're at it. Consider it done. Krauser. Il a pas l'air très zombifié, lui. Ça faisait longtemps. Bonsoir. Merde. C'est pas grave. Je voulais prendre des munitions à côté. Voilà. Et donc on est où là? Putain, mais encore un jeu de tir. Ouais, je trouve quand même que les endroits dans ce Resident Evil sont pas très ça donne pas trop envie de voir ce qu'il y a ensuite en fait. C'est un petit peu monotone. Dynamite. Va se passer encore. Ah, ça faisait longtemps, dis donc. Est-ce qu'ils vont monter? Je dirais que oui. Il y en a d'autres. Oui. Je t'avais pas vu toi. Non. Oh non. Hop à l'infini ou quoi?
me faites pas ça, hein. J'ai pas envie qu'il pop à l'infini. Je pense pas qu'on ait énormément de chemin. On avait dû avoir qu'un chemin, donc on devrait en principe ne pas se perdre. Il y a des momies. C'est là où ils créent une sorte de zombie. Prendre des munitions. Okay. De l'électricité, mais je peux pas l'utiliser. Peut-être qu'il faut attendre qu'il se passe un truc. Le truc. D'accord, donc il faut faire exploser ça. On peut faire tomber. J'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Ah, une vraie énigme. Peut-être. Peut-être que c'est une vraie énigme. Attendez, on a fait ça? Mais non. Quel con. D'accord, c'est là maintenant qu'on va utiliser l'autre interrupteur. Ok. Interrupteur, levier. Pas vraiment une énigme en fait. C'était juste qu'on n'avait pas vu le levier principal. Oui, je sais, tu es derrière moi. Péter le rocher. J'espère que je vais pouvoir partir. C'est bon. Le fumée.
Il n'y a pas de fumée sans dynamite. Putain, 10 balles de magnum. C'est quoi le max? C'est 20? Ok. On va virer ça du coup. Enfin. On n'est pas vraiment obligé, ouais, de virer tout. On a combien de balles avec le magnum du coup? Ça fait 22, 42. C'est plutôt pas mal, 42 balles. Boss? Pas boss? Banane. Peut-être boss, ouais. Ah, peut-être boss. Mais on est de là. On est de là. On venait de là. Oh, oh, oh. J'ai bien dormi pourtant. Il a amené son frère. Attendez. On va utiliser le magnum. D'accord, faut les faire tomber directement comme ça. Quand ils seront dessus. Parce que bon, je suis pas sûr qu'on puisse les pousser. Aïe. Ça prend du temps à se remettre. Voilà. Alors le mieux c'est de monter. Faire ça en dessous. Et de faire ça. Un gros bain bien chaud. Du coup, il est mort. Il faut le tuer à la loyale. La rue de Biman. Sympa. Plutôt sympa. Ah, j'aurais dû faire utiliser.
Voilà. Attendez, on va changer de flingue parce que sinon j'ai utilisé le magnum sans faire exprès, je pense. Ce serait un petit peu dommage de gâcher les munitions. Au pigeon. D'accord. Il faut deux lumières. Ça me fait une belle jambe. Les collègues de Sam Fisher. Attendez. Ah. Faut que je me gratte. Oh. Ça me gratouille l'oreille. Ah oui. Pas comme ça, mais c'est lourd un casque à force d'être porté. C'est quoi par ici? Non. Un switch. Bon, ça fait une lumière, ça, non? Mais putain. Mais putain, j'en ai marre de ces monstres de merde, de ces monstres de merde. Voilà. Bon, je pense qu'ici ils vont popper à l'infini, je sais pas pourquoi, mais... Ça... Ok, donc ça c'est la porte qui s'ouvre avec les deux lumières. Pour l'instant il n'y en a qu'une. On se croirait dans les cavernes de... Dark Souls 1, 2... 2 je crois. Caverne de la Moria. Ah. Le deuxième switch.
là on est d'accord, ça fait deux lumières. Quel effet de fou. Même sur Super Nintendo, c'était mieux fait. Oh là là. On vomit dessus. La caméra. Il n'y avait pas un autre endroit où on pouvait aller ici. Attendez. Ah, c'était en bas, non? Voilà, c'est ça. Grenade. Mais non, c'est là d'où on vient. Bon, ça c'était pour l'énigme, pour nous dire ce qu'il faut faire. Ah, c'est là où on n'est pas allé. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose par ici. Ouais, c'était juste pour retourner, fait pour aller en haut quoi. Putain, j'ai combien? J'ai 700 balles sur la mitraillette. Eh ben, on est paré pour la guerre mondiale, je pense. 700 balles. On va l'utiliser, tiens. Ça sera fun. Bon, là par contre ça va être moins fun. Il frappe. Ok, il frappe là. Le levier. Ah, c'est pour arrêter les trucs derrière, d'accord. Ah, ça a peut-être arrêté celui du milieu aussi. Ok. 4-3. On avance vite là. C'est bien. C'est pas le nom, c'est pas le temps qu'on a mis pour le jeu là. On n'a pas joué au jeu 17h. Peut-être que quand on met la console en pause, ça compte le temps. Un petit peu comme sur Switch, peut-être. Quand on la met en veille. Ça fait 1h05. Bon, on va continuer un petit peu. Il est 9h. Ça va? Mmh.
peut aller que tout droit. Eida Kalanotegami. Donc une lettre de Eida. D'accord, donc elle nous dit que si le plaga, l'œuf du plaga, donc avant qu'il éclos, si on boit le médicament avant qu'il éclos, on a des chances d'être sauvé. Par contre, une fois qu'il est éclos, c'est quasiment impossible d'être sauvé. On peut faire une opération, mais c'est pas sûr que ça réussisse. Donc elle nous disait aussi que Ashley risque de se faire pas d'être infectée parce qu'elle est déjà infectée, mais d'être de se transformer avant nous quoi. Et donc d'être prêt à cette éventualité. La tour de Pise maintenant. C'est bien ça. Je l'ai vu. Ah. Il y a rien ici. Ici. Un forastero. Un forastero. Rambo. Rambo qui est dit. Et voy a hacer picadillo. Non. Ils ont rien entendu. D'accord. Ils sont sourds. Pas à choper le truc bleu, c'est pas grave, on s'en fout. Peut-être comme ça, mais... non. Il y a du feu, c'est bien. Porte fermée. Ok, donc il faut lui donner un sacrifice. Michel. Une petite échelle. Madame Michel. Non, non. Arrêtez de nous donner des objets, s'il vous plaît. Attendez, d'ailleurs, je viens de penser à un truc. Alors. Je me suis dit, si ça se trouve, peut-être on peut changer la difficulté en cours de jeu, genre une fois qu'on a 700 000 munitions. Il y a un truc là-dedans ? Ouais. Une fois qu'on a 700 000 munitions et trucs de soins, on se met en mode hard, enfin en mode normal. Je sais, c'est un petit peu abusé, mais...
Ça aurait été marrant. Donc l'autre il veut un sacrifice. Ça va être chiant, je sens. Je sais pas pourquoi. Je sens que ça va être chiant. Je suppose qu'à la fin, peut-être, quand on arrivera à la fin du jeu, ce sera sûrement le mec qui était sur son trône, là. Lazarus ou je ne sais pas quoi. Ah. D'accord, donc le sacrifice pour ouvrir la porte à tête de lion se trouve ici. Donc ouais, je pense que ça sera lui sûrement le dernier boss. Bon, Lazarus, là, enfin le petit, on va l'avoir, on devrait le tuer bientôt, je pense. À part si peut-être on doit les tuer tous les deux en même temps. Mais c'est vrai qu'il y a l'autre aussi, Closer. Magazine People. Ah, ça faisait longtemps. L'autre il est bloqué en haut. Quelle difficulté, dis donc. Je sais pas si c'est pareil en normal. J'imagine que oui, en principe. Mais il y en a un autre encore. Un autre mec. Ok, donc lui il vient de nous indiquer qu'il y a un passage en bas, merci, c'est très sympa. Que ça soit ça le sacrifice. Putain, on va peut-être arriver Vimax. Putain, il passe par là. Lui.
C'est pas mal cette arme. Merde. Putain, mais le nombre d'ennemis quoi. C'est un truc de fou. Le chemin du bas, ça. Si je crois qu'il y avait un serpent encore. Pas du tout. Pas du tout. C'est la clé. Ok, donc ouais, on est obligé d'aller là. On va d'abord aller voir en bas du coup. À vendre en fait dans tout ce qu'on chope, donc du coup il n'y a pas vraiment de comment dire, il n'y a pas vraiment de mystère en fait. On pourrait se dire à quoi sert cet objet et tout, mais non, il faut que des objets à vendre à chaque fois. Alien le retour. Hein? Putain. What? Va nous tomber dessus, j'imagine, non? Non, pas encore. À notre retour, alors. Ils sont gentils. Des sons bizarres. Pas très rassurant ça. Putain, mais on va aller jusqu'où là? Tout ça pour trouver un sacrifice. Pour pouvoir ouvrir la porte. La porte. Ah, j'ai déjà vu ça, je crois. Il me semble que j'avais vu une fois Léon dans des wagons. Attendez, on peut pas y aller là? Merde. On va la combiner.
combiner, mais ça ne me dit pas comment aller là-bas. Il faut activer le levier. Ça, c'est pour sauter. Et là, on peut pas. Pourquoi ? Parce que là, on peut pas sauter non plus. Attendez, je dois aller aux toilettes. Je reviens tout de suite. De régler un petit peu mieux le casque pour avoir un petit peu moins de pression sur le crâne. J'ai l'impression en fait que c'est pas le casque qui épouse la forme du crâne, mais c'est le crâne qui épouse la forme du casque. J'ai l'impression qu'il y a le crâne qui se déforme à cause du casque. Hop. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire de wagon là ? Le micro. Le micro. Le wagon. Comment on fait ? Mais là, j'en ai aucune idée. Attendez. C'est une énigme. Non, parce que c'est là. D'accord. D'accord, donc on va aller jusque là. Ok. On va aller jusque là, mais... Mais... activer les wagons. Putain, mais attendez, je pense pas qu'on puisse tirer dessus, hein.
Non mais tout à l'heure. Tout à l'heure, putain, je vais tirer dessus. Et pourtant, ça avait pas marché. Connerie de jeu. Nombreux là. D'accord, fallait tirer parce que sinon ils arrivaient à la chaîne peut-être. C'était peut-être infini. Là on va peut-être utiliser une mission pour la mitraillette. Genre quoi. Heureusement qu'on joue avec Spider-Man, hein, parce que sinon on serait tombé dans le vide, je pense. C'est ça le sacrifice? D'accord. Attendez, on venait d'où là? On vient de là? Putain, il y a un truc dans le vide. J'ai l'impression que c'est dans le vide. Et on arrive ici. Bon. Où était la porte? On a combien de missions? Ah ouais. Ouais. Sur 700 munitions, on a utilisé 500. Et encore, parce qu'on a chopé des balles. Chaud quand même. Après, bon, voilà, on a fait un petit peu le con aussi, mais on arrive au 4-4. Il y a des chapitres, hein.
Oh, c'est énorme. Et la Shinra apparemment qui a hijacké la tour de Tokyo. La nouvelle tour de Tokyo. Donc la Shinra de FFC, je précise au cas où. Évidemment, c'était un événement. Du coup... On peut monter, même... Faut monter. Bon, on va quand même changer, hein, parce que la mitraillette a plus trop de munitions maintenant. Ok. Ça ne servait à rien. Ah, c'est le petit. Ouais. Le petit qui est devenu grand. Je sais pas pourquoi, mais ça sent le boss. Faut aller là en fait, faut aller en face, d'accord. On est obligé d'aller en face. Problème, on ne peut plus. Oula. Le son est bizarre. Ah d'accord, peut-être que... On va pouvoir passer. Passer, ça va nous emmener de l'autre côté avec sa main. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça va? Pas mal. Putain, il n'y en a qu'un qui est revenu. De me dire qu'il y a un autre levier. Peut-être au-dessus. Merde, attendez, du coup on peut plus passer par là, faut passer par là. Hein?
On va voir. Sa main va revenir en bas. Oui. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Pas de problème. J'avais tout prévu. Fais gaffe. Mais oui, mais... Ils nous préviennent au dernier moment en même temps. Dire voilà. Fini. Mais c'est pas fini. C'était l'époque des QTE, hein. Ça se voit. God of War est passé par là lui aussi. So nice you could join us, Mr. Scott Kennedy. You again. The sacred rite that's about to begin at this tower shall endow the girl with magnificent power. She will join us, become one of us. This is no ritual, it's terrorism. Isn't that a popular word these days? Not to worry. We've prepared a special ritual for you. Putain, j'ai pas la manette dans les mains. Il a failli se faire avoir. Thank you.
il est où le pony? Venir jusqu'ici, il va se péter. Et donc King Kong. Donc King Kong, ça me connaît. On peut pas les péter. Cocktail Molotov. On pourrait dire même étoffe, vas-y mollo avec les cocktails. Heureusement qu'on vit pas en Espagne parce que sinon le coup c'est mourir à se dévier. Les gens nous prendraient pour des fous. Par des voisins ou quoi qui entendent ça. Ils appellent la police. Notre voisin dit que mourir c'est vivre. On a peur. Putain non, je veux pas les grenades. Tant pis.
cool. La musique bien stressante. Ah, c'est bon. Welcome. Welcome. Got some rare things. Il y a rien de nouveau. Par les améliorations. On va aussi remettre un petit peu de balles là. Voilà. Magnum est à 16, donc ça c'est bon. Ok. Ça sent le boss, ouais. Là, ça sent le boss. Qu'est-ce qui se passait encore? Oh. Mais elle est où Hachet? C'est trop tard. Ah, you just missed her. The ritual is over. She left with my men to an island. What? Paid my due respects towards your impressive and stubborn will. Mr. Kennedy, welcome. Sont fait bouffer, qui vont fusionner. After this, there'll be one less to worry about. I want you to suffer just like Ashley. He's going to take more than that. Putain, mais la gueule, quoi. Vive le Magnum. Le Magnum hier. Que ça devrait. Saint-Lazare. Bon bah voilà. Saint-Lazare, c'est quasiment pareil. Quasiment pareil. Bon, on va quand même changer d'arme. Que bon, au final, les boss, si on garde des armes comme lance-roquette et le magnum, ça doit être plus facile, peut-être même en mode normal. C'est vrai que si on n'a pas ça, par contre, c'est peut-être choquant. Donc, je suis full en tout de toute façon. Encore une mission.
Bon bah on va continuer. On devrait se rapprocher de la fin là quand même. Si lui il est mort. On va être proche de la fin. Quand j'ai l'impression, on aurait dit une sorte de zone industrielle. Là où va Ashley. C'est assez étrange. Et où? Putain, c'est encore lui. Got some rare things. What are you buying? Ouais, d'accord. 166 000. Is that... Is that... Thank you. Is that... Thank you. Not enough cash, stranger. What are you selling? What are you selling? On va avoir pas mal de trucs à vendre, je pense. Ada. Ada. Need a ride, handsome? Okay. Okay. Ouh. Ah, chapitre 5. Peut-être la fin, peut-être le dernier chapitre, chapitre 5. On va voir. Et ça change quand même la zone. Break it out to you, but Salazar's dead. Yes, it seems that way. Sadler, why don't you give up and let Ashley go home? Perhaps you are disillusioned with overconfidence, just because you killed my small-time subordinate. Sadler, you're small-time. Oh. Writhe in my cage of torment, my friend. Okay. Oh putain, on va voir Farming Simulator 19, un jeu gratuit sur l'Epic Games Store. On attendait tous.
Mais ça sent la fin. Ouais. Alors je sais pas si ce chapitre en particulier c'est le dernier. Cette mission du chapitre. Regardez la map. Ouais. Ça c'est le cul-de-sac, ça. Ok, donc on va prendre le cul-de-sac maintenant. Ah, c'est le cul-de-sac. C'est bon. C'était pour de l'argent. Metal Gear Solid, le retour. Quoi ? Et ça servait à que dalle en fait. Ça servait à que dalle d'éviter la lumière. Avec nous. Je suis content avec sa sulfateuse. Un coup de magnum et puis s'en va. À l'infini aussi. Arrêter la lumière. D'accord. La porte va s'ouvrir encore avec la lumière. Thank you.
Aucune idée. D'accord. C'est ce laser là qu'il va falloir utiliser. Du coup, bouger celui qui est là-bas en fait. Ah, il y avait une échelle. Ça fait du bien parfois quand la musique s'arrête. C'est ça qu'il voulait nous dire. C'est une verte. Ah, quoique... Mais pourquoi tu vas sur un côté? Léon. Sympathique. Mmh.
soupçonne d'accord. C'est moi où il avait un lance-roquette. Ah putain, il y a beaucoup de rifles. Il s'est tué, il est content. Ils sont vraiment nombreux les ennemis. C'est plus le mode zombie de Call of Duty plutôt que les zombies. On va quand même éviter de trop utiliser le fusil à pompe. Oh quoi que. On a quand même beaucoup de balles. Bon, on va utiliser. Bon, on va pouvoir avancer peut-être. Ah, quelque chose de nouveau. Ah, c'est la carte au trésor. J'avoue que là on a tellement de trucs. Je vois pas trop l'intérêt de d'encore améliorer mes armes. Bon, ça a l'air d'être un petit peu plus long encore. J'espère pas trop trop long non plus, mais... Une porte. Qu'est-ce que la map nous dit? La porte est fermée, ok. Je pense pas que ça soit la fin, ouais. A mon avis, il va rester quelques missions, mais ça doit être le dernier chapitre.
bien se passer un coup. Non. Mm-hmm. Ici un drop, des balles de fusil. Bon, ok. Tout four micro-ondes. Quelqu'un avait mis dans le four. Une grenade. Des gros gros. Encore un chien. Des gros balourds là. Oh, une jaune. Hop, n'importe laquelle. Voilà. T'es pas mort toi encore? Les smuggers d'aliens sont beaucoup plus résistants que ce que je pensais. C'est vrai que là du coup... Je sais pas si on va arrêter à la fin de cette mission. Si on continue un petit peu parce que je sais pas trop s'il reste beaucoup de missions. Ça serait con de faire une vidéo où il y a genre une mission. Bon ouais, on sait jamais, on va s'arrêter je pense après cette mission. Parti. Amateurs. Just hang in there, Ashley. I'm coming for you. Ok, on a plus de map. T'es déjà venu ici? Ah non? Chelou. Ah.
a bugué. Ils sont peut-être morts. Mais c'est un jeu? C'est un jeu ou c'est la suite? J'ai cru que c'était un jeu de l'autre là, du marchand. À un moment. S'il fait des jeux tellement chelous parfois que... On sait pas trop hein. Mais pourquoi à chaque fois il tire sur le côté? Bizarre. Parfois il change tout seul de... Comme ici. Je sais pas, il veut pas tirer droit. Il tire sur le côté. C'est assez bizarre. Non plus. Ah bah attendez, on va plutôt s'arrêter ici, ouais. C'est peut-être mieux, parce que la mission peut encore durer peut-être un petit peu de temps. Je pense qu'on va plutôt s'arrêter ici, comme ça on reprendra, pour sûrement arriver jusqu'à la fin du jeu, j'imagine, ça sera mieux comme ça. Voilà. Bon, ça reste sympathique quand même, ça reste sympathique, même si... C'est pas une licence que j'adore. C'est pas en jouant à ce Resident Evil 4 seulement que je vais commencer à apprécier les Resident Evil, je pense. En tout cas, voilà. Je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien. Bye.